Là, il y a Cathy et Jade. Ils sont fous. Et l'autre qui dort dans son mec. Ah, lui, il écrase. Hein. Ah, lui, il en écrase. Pourquoi ? C'est son problème. Ils sont en train de lui faire les poux. Elles vissent, ils sont juste à côté d'un regard. J'ai commencé à tenir, vous devez les faire. Le site pas les toucher. Bien. Fais attention, celui-là il mange des petits enfants. Fais attention, c'est celui-là qui mange des petits enfants. On va voir celui-là, là. Viens voir cette maman. Ils sont pas même appartements, hein. Et les femelles, elles, par contre, elles sont matures plus tôt. Elles partent vers l'âge de 9 ans. Elles partent. Et donc, ici, les gorilles font partie d'un programme d'élevage européen. Colob guérésa, qui eux vivent tout en haut des arbres et sont folivores. C'est-à-dire que quasiment toute leur alimentation est composée de feuilles. Le premier grand singe à l'état sauvage, là je vous parle des orang-outans, donc on n'a pas d'orang-outans dans le parc, mais ça concerne également les gibbons, vous pourrez voir un petit peu plus loin. Il faut savoir que si nous, dès maintenant, nous ne faisons pas des petites choses pour essayer de freiner cette déforestation, bah... Les bébés qui vont commencer à arriver, le bébé Saïmiri est tout petit, hein. Il va peser une centaine de grammes, c'est minuscule. Par contre, une femelle adulte, ça pèse à peu près 700-800 grammes. Faites attention à ce qu'on va leur donner à manger, surtout en cette période. On va les nourrir 7 à 8 fois par jour, mais on ne va pas leur donner n'importe quoi. Hein. Ça va être des fruits... Très plus calorique, les fruits, des légumes, des graines, des croquettes, quelques insectes.